Des remous agitent la surface du fleuve Amazone. L'eau se teinte de sang. Un banc de piranhas frénétiques vient de faire une nouvelle victime. La réputation du piranha n'est plus à faire. Elle a néanmoins pour origine un problème central chez ce poisson. Le piranha est aussi craintif qu'il inspire l'effroi. Et il doit faire face à de nombreux prédateurs. De nombreux oiseaux, les pêcheurs et même des caïmans se délectent de sa chair ferme et savoureuse. Les piranhas ont donc choisi de se déplacer en banc pour se protéger. Cet instinct grégaire prononcé permet au plus grand nombre d'éviter de finir en repas. La vie de groupe pose néanmoins un problème, car chaque piranha se retrouve alors en concurrence avec son voisin pour se nourrir. La solution est simple. Chaque poisson se jette à corps perdu sur la nourriture pour tirer son épingle du jeu. C'est la frénésie collective de ces curés sauvages qui a paradoxalement offert au craintif piranha sa réputation de barbare carnassier. Même dans un banc de piranha, chaque individu s'occupe avant tout de sa survie et lutte de toutes ses forces pour surmonter l'adversité.